Salut Kevin Marquis. Salut Vlog, fait qu'aujourd'hui, je suis avec Mr. Big Franco alors, que vous avez vu sur le podcast. Fait qu'aujourd'hui, on fait un workout épaule, bicep, tricep. Puis juste avant ça, on a tourné une capsule humoristique avec Kevin Marquis. Fait que c'est ça. Vous allez voir ça sur sa chaîne, c'était quand même assez comique. Donc c'est ça, on parle au workout. Like you, be strong. To hold the powers of the sun. Only one. Hey vlog, donc aujourd'hui, je suis avec Mr. Franco. On va faire un workout. Épaule bras, fait que c'est un workout plus surtout tension mécanique, fait qu'on va faire un ascending load, fait qu'on va monter les charges pour 6 séries de 6 au début avec un exercice plus compound. Après ça, on va faire des exercices plus d'isolation avec des clusters. Fait que pas des clusters standards de 1-1-1, mais ça va être des 6-6-6. Fait qu'on va utiliser à peu près un 10 à 12 RM pour faire ça, je vais expliquer tantôt. C'est ça, fait qu'on a ça pour les épaules, puis après ça, on rentre dans les bras. Can I be your superhero? Push it. Yes, good, cool. Là, dans le fond, 6 séries de 6 finies, on est piqué. Fait qu'on a passé, exemple, de 50 livres, pique jusqu'à 90 pour 6, fin de 95 pour 8. Après ça, cluster. Fait que le cluster, on peut appeler ça rest pause, c'est qu'on va faire 6 reps avec un 10 RM. Tu fais ton 6, 15 secondes de pause. Tu fais 6 encore, 15 secondes de pause, puis 6. Puis après ça, tu prends ton break. Ce que ça fait, c'est que tu utilises, tu fais 18 reps avec à peu près un 10 RM. Fait qu'avec les pauses, ce que ça fait, c'est qu'elle crée plus de tension, plus long terme. C'est une technique bien intéressante de gagner de la masse. Fait que c'est ça. Fly away. It's the first time of today. Okay, fait que pour le front raise, une chose que j'aime faire pour tourner latéral aussi, c'est de t'accoter dans quelque chose pour avoir plus de support. Ça va t'éviter de compenser parce que souvent, le front raise, on va compenser beaucoup de plus d'autres. Donc, plus tu as du support, plus tu es capable de créer de la tension dans ce que tu veux. Fait là, ça va être plus dans le front delt que je vais travailler. Ici, je vais arrêter à peu près au 3 quarts parce que ici, il n'y a rien qui travaille. Fait tu sais, je vais avoir de la tension significative. Ça ne me donne rien d'aller jusqu'en bas. Parce que cet exercice-là, ça challenge pas le bas du mouvement. Et là, de là jusqu'au top, avec un ball squeeze, rien à faire pour le front raise, 6-6-6, pour maintenir les deux comme ça. Je voulais juste interrompre le vlog pour remercier Jacob pour cette jolie tasse Quantum Training. Je suis vendu. T'as même le marché aussi, je pense. J'en porte pas. Longtemps dans la partie plus métabolique du workout. Fait que, vu que dans le fond, dans mon programme, j'ai les bras deux fois, on va moins avoir de la fente neurale, puis ça, on garde ça pour les gros lifts. Fait que, là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est choisir deux exercices qui challenge le muscle dans une position qui est plus contractée. Fait que le spider curl, ça va être ça. Le cross extension, normalement, step back aussi. Fait que, ça, on regarde un peu ton coude un petit peu. Pour savoir où ce que c'est dur, okay, faut trouver le bras de résistance, qui est dans le fond la ligne perpendiculaire entre l'axe et la force.
Et si la force, c'est le câble, mon max, c'est mon coude. Fait qu'on voit que le 90 degrés arrive à ce point-là. Fait que là, je peux dire qu'on charge le muscle, on surcharge le muscle dans une position qui est plus contractée. Parce que ça surcharge à la fin du workout. Il y a quand même de la tension jusque, juste, tu sais, toute cette portion-là, fait que c'est quand même intéressant. Ce qui est important aussi avec ça, c'est qu'on sait que le long chaîne du triceps, ça sert au niveau de la scapula. On veut stabiliser la scapula, pas la jammer, pas la rétracter, mais juste stabiliser. Pour, et en fond, à cet angle-là aussi, ce qu'on regarde, c'est que ton coude est en ligne avec le traps, puis aussi un petit muscle qui est profond de ce sens-là, les rhomboïdes. Okay? Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent stabiliser si on est dans cet axe-là, le coude sortir un petit peu. Si on est très collé, il y a moins d'affaires qui peuvent stabiliser. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment une bonne variation. Il faudrait les triceps, surtout dans la partie contractée, pour cette variation. Ça sent une différence? Oui, oui, je sens. Parce que demain, le management s'est rendu dans l'épaule, c'est tout mon upper back. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on veut là, avec les exercices de bras et de chest, tout, c'est stabiliser la scapula. Tu veux pas la rétracter et tout contracter ça. Fait que tu sais, comme Frank, c'est un bon exemple. Colette, il activait tout ça trop. Fait que back down, c'est super engagé. Là. Fait que tu veux juste stabiliser la scap. Puis faire ton mouvement. Fait qu'on veut pas qu'il y ait de protraction, qu'il y ait de mouvement au niveau de la scap, mais on veut pas non plus la jammer dans une position. Fait que cet exercice-là, en X avec le push-down, c'est vraiment de quoi qui va être optimal pour aligner le coude avec la tension. Si on regarde Frank, si je dis, mettons de mettre toute face dans la main, si je dis rentre tes coudes le plus possible, comme vers toi, puis là, fais une extension, ses coudes sont déjà vers l'extérieur. Tu sais, il peut pas rentrer plus. Il y a les lattes, il y a anatomiquement la façon qu'il est faite, puis après ça, il y a qu'est-ce qui est musculaire aussi. Fait que, dans le fond, au lieu d'essayer de le mettre dans une position qui n'est pas bien avec une petite corde ou un triangle de même, c'est bien de regarder qu'est-ce qu'il y a de base, puis là, enligner l'exercice comme on fait là avec les corps en X. Donc, tu sais, tout ce qui est push-down, vraiment en X ou avec deux cordes, c'est vraiment ce qui est optimal pour recruter le triceps. Les autres variations, pour vrai, c'est sous-maximal, puis ça devrait même pas être utilisé selon moi, là, si tu veux vraiment maximiser le gain en masse musculaire. Et oui! C'est les poignets, gros, qui ont de la misère. Ah, mais vas-y un bras à fois. Frank, quand il arrivait, il a de la misère à supiner, puis ses coudes, ils sortaient, puis c'est trop massif. T'sais. Fait que là, au lieu de ça, t'sais, au lieu de le faire, puis de pas vraiment bien sentir, on va le faire un bras à fois, t'sais. Fait que ça lui permet vraiment d'aligner son coude avec la gravité, puis là, t'sais, vraiment de travailler dans l'amplitude là, qui va être vraiment plus efficace pour lui. Ce qu'on veut, c'est que le coude soit direct en ligne avec le câble. Puis encore là, quand je fais mes classes, je veux un exercice qui challenge toute l'amplitude de mouvement. Fait que là, mon 90 degrés est à peu près dans le milieu. Puis à la fin, j'ai quand même un bon load. Fait que ça déload juste un petit peu, mais pas trop. De cette façon-là, c'est que quand, exemple, tu fais un lying extension dans le même, ben, souvent, mettons, quand tu as de la masse ou que tu as un manque de mobilité, les coudes sortent automatiques. Fait que là encore, là, j'enligne le coude avec le câble. Fait que je m'assure que c'est direct le tricep. Je travaille dans cette position-là. Même affaire pour les biceps, si je regarde, si je rentre mes coudes puis je curle, mes coudes sortent vers l'extérieur. Fait que oui, si je fais dumbbell, je peux me pencher pour aligner le coude avec mon corps. Mais si je suis bien de prendre mes câbles puis travailler dans cet angle-là. Puis ce qui est intéressant, il n'y a pas de grand exercice qui travaille le coude, le biceps d'une position étirée puis qui load la partie étirée. Parce que oui, je peux faire une clean dumbbell curl, je mets mon biceps d'une partie étirée, mais ça load quand même le top comme un standing, sensiblement comme un standing dumbbell curl. Tandis qu'avec le câble, si je m'avance ici, j'ai quand même un challenge qui est un peu ici, plus dans le milieu, puis ça va déloader un petit peu plus à la fin, puis ça va correspondre pas mal à ce que le biceps est capable de faire, puis la tension va vraiment être maximale, puis ça va être une étape sous tension qui va être significative dans ton workout. Donc, ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. You are the strength, you're all I need. Superhero. Thank you.
post-workout. Post-workout, 3 grammes de taurine. Moi, j'ai 60 grammes de carbs que je vais mettre. Value supplément avec la saveur. OVB, protéine vegan, parce que j'ai de la misère à digérer un peu le lactose puis même l'iso. J'ai ajouté avec ça un peu de vitamine, value supplément. Puis aussi, la dernière chose que j'ai rajouté, c'est des EAA, parce que dans le fond, protéines végétales, certaines études, ça dit que c'est pas assimilé à 100%, que le profil de l'acide aminé n'est pas complet. Il y a d'autres études qui disent que c'est correct. Bref, pour la masse musculaire, j'aime mieux avoir des acides aminés complets, puis je vais mettre une scoop de EAA de plus, juste pour être sûr. Squeeze it. Oh wow. Alright, fait que merci d'avoir écouté. Si t'as aimé ça, workout, si tu l'as essayé. Laisse-nous un commentaire, oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube, faites un petit like, puis aussi un petit bouton, tu peux te faire notifier, une petite cloche quand on poste un vidéo, fait que c'est ça, sur ce, bon workout.